Notre jeu Candy Crush est tellement simple et addictif. Assembler trois symboles identiques, c'est fou que personne n'y ait pensé plus tôt. Ouais, j'ai eu l'idée en jouant à Bejeweled. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Qui va réaliser Candy Crush, le film ? Qu'est-ce que tu penses de Zack Snyder ? Sont morts. Peut-être, mais le plus important, c'est que j'ai trouvé les trois mêmes bonbons orange. Oh, trop violent. Par contre, qu'est-ce que tu dirais de Tyler Perry? Oh, Dieu du ciel, j'ai trouvé trois petits sucres d'orge qui vont ensemble. C'est trop mignon. Adéa, il y a 3 ans, je me suis fait harceler sexuellement pendant une fête étudiante et maintenant, je suis devenue accro au crack. Oh, mais l'amour est plus fort que toutes les addictions du monde, tu sais, ma petite chérie. D'ailleurs, l'amour, c'est même une addiction en soi. Dis donc, c'est un peu sombre sur la fin, non? C'est comme ça avec Tyler Perry. Tu penses que ça va être rigolo comme Big Mama et à la fin, c'est aussi chiant que du théâtre contemporain. Alors autant prendre Peter Jackson, lui, fait du fric. Passez-moi qui les sucettes, les gens trouveront ça trop chouette. Ça fait 45 minutes que la scène a commencé et je sais toujours pas ce que c'est un hobbit. Fuyez, pauvre fou. On s'en fout de qui réalisera. Candy Crush, c'est ce qui marche le mieux sur Internet. Ça fera un carton, quoi qu'il arrive. Ce soir, nous allons vous proposer 3 contes terrifiants qui vous donneront assurément la chair de trouille. Attendez, chair de poule, c'était suffisant. Pourquoi j'ai ajouté trouille? Enfin bref, on s'en fout. Vas-y, lance le premier film. J'adore mon nouveau classeur licorne, il est trop beau. La vieille bohémienne a dit de ne pas l'ouvrir après minuit. Oh allez, j'ai rien à perdre. Bonsoir Tracy, si tu veux bien, je serai ton meilleur ami pour la vie. Oh mon Dieu, mais oui, bien sûr, je t'aime déjà très fort. Dis-moi, qui est ce garçon? Oh, c'est mon petit copain Charlie. Il a l'air sympa. Oui, il est sympa. Alors, on prend du bon temps au bord de la piscine? Je peux m'incruster? Oh, une licorne! Dis, j'ai l'impression que t'aurais besoin d'un peu de crème solaire. Oh oui, c'est vrai que j'ai la peau blanche et que le soleil... Oh, oups, désolé, je n'ai pas de main. Alors, je vais improviser. Oh, ça chatouille! Oui. Hé, Charlie! Ah! T'as pas compris que je voulais de l'intimité quand j'ai mis la chaussette sur la porte? Oh mon Dieu, tu es un monstre! Tu es même un ignoble pervers! Ah! Ça, c'était juste un avertissement. Tu ferais mieux de t'en aller. Non, je vais prendre le taureau par les cornes. Waouh! Tout ce que tu as réussi à faire, c'est à me rendre plus fort, Tracy. Oh. Tu veux te faire sucer, c'est ça? Alors fais-toi sucer! Je suis là, ça y est, c'est fini, Charlie, c'est fini. Ma vie est complètement foutue. Mais de quoi tu parles? Oh, Burke. Oh, salut, pardonnez-moi, j'étais plongé dans ce magnifique best Cerber. Non, je rigole, en fait, c'est Inferno de Dan Brown et c'est de la merde. Notre conte suivant est une sorte d'allégorie. Je dirais même que c'est une métagore. Allez, c'est parti. Sors de là. Sors de la maison. Sors de la maison! Et si tu fermais ta grande gueule au lieu de sucer la merde de ton père pendant que ta mère lui met une carotte dans le cul, espèce de petit branleur? Ah, tu l'ouvres moi maintenant, hein? C'est juste qu'il y avait beaucoup d'informations dans cette phrase. Ouais, ben alors réveille-moi quand t'auras tout compris, connard! Ta sculpture de ma chute, voilà ce que j'en fais en... C'était pas censé être une sculpture, c'était censé te faire peur. Oh, laisse tomber, je me tire. Charlotte aux fraises. Hein? Oui, quoi? Sors de la maison. Ah! Hey, fils de p***, si tu te fais chier à ce point, pourquoi tu prends pas un tampon à ta mère pour le foutre dans le p*** de ton père avant de te lécher et te le remettre dans la foule? Mais arrête de parler du p*** de mon père sans arrêt. Ça va, je dégage pour de bon cette fois. Oh, et Charlotte, je te signale que c'est pas du sang sur les murs, c'est de la confiture de fraises. L'isolation de ta baraque a de sérieuses fuites. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est renverser le tableau derrière toi, dans ta gueule! Tu crois qu'il dit la vérité au sujet de l'isolation? Ça va être fraisi cher si je dois tout refaire. Voyons voir, eh bien, ça dépend si j'ai quelque chose à foutre de tes petits nichons à la fraise! Ta-ta-ta-ta! Ta, ta, ta.